avait stylé lieu à partir du 17 juin, suite à l'appel à la non-réintoxication de ce monde, qu'on a érigé une tour, la vigie qui est devenue la vigie des vêtements. Autour de cette tour s'est construite une communauté qui vit en permanence ici. On se serre les coudes, on entreprend des chantiers. Ici, nous sommes dans une zone maraîchère de 34 hectares avec des terres protégées. Du coup, il va y avoir des expropriations de terres maraîchères et plus de 32 espèces menacées. Tout en sachant que voilà, on est dans un poumon vert d'une ville. On nous parle d'autonomie alimentaire alors que là, on est en train de détruire des zones maraîchères pour construire, bétoniser, sous le symbole d'éco-quartier. Ça va à l'encontre un peu de ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix, nous, de militer, d'investir les lieux pour justement montrer notre désaccord face à ces choix qui sont d'ordre politique. Il faut savoir que c'est territoire 25 qui a 49% privé et 51% public. Il y a eu de l'argent déboursé ici. Eux, ils veulent que ça se fasse. En gros, ils veulent le raser. Tout ça pour foutre un pseudo éco-quartier, enfin je sais pas trop ce qu'ils appellent éco-quartier, mais enfin, c'est un peu ironique de leur part de détruire une zone verte comme ça pour foutre une autre zone verte à couleur béton. Enfin, ça fait depuis très très longtemps qu'il y a des gens tout partout dans cette zone là qui font leur jardin. Ça fait 50 ans ils jardinent ici. Et si vraiment ça se pose, tu vas leur enlever leur patrimoine qu'ils ont ici, tout le temps qu'ils ont passé là-dedans. Et c'est triste quoi de... Surtout que ça reste un très très gros poumon de Besançon. Et donc si on commence à enlever un poumon comme ça, après ça ouvre les portes à tout détruire. Il y en a qui ont fait leur cabane, il y en a qui vivent là-bas. Nous on est contre la bétonisation. On défend tout ça pour l'avenir, pour notre avenir à nous, pour l'avenir de nos enfants. Parce que vu comme c'est parti, on est déjà dans la merde. Et si on continue, ça va partir en couille encore plus que ça. Les ânes, en fait, on est la première barrière entre la nature et l'homme. Quoi. On défend la nature, on défend ce qui reste. Et bon, les ânes, ça représente peut-être un infime pourcentage. Toutes les ânes qui devraient... Parce qu'il y a plein de chantiers aujourd'hui qui se font. Il n'y a pas de ânes, il n'y a rien. Des parcs d'attractions qui n'ont pas de sens. Alors, j'étais il y a quelques mois, par hasard, à Besançon. Et il y avait ce café où ils avaient ce flyer, accroché quelque part par là-bas, ce qui se passe ici. J'ai donc demandé aux gens qui y bossaient, et c'est une zone qu'ils veulent protéger, afin d'éviter la bétonisation et pour préserver ces petits jardins. L'un d'entre eux nous a fait une visite guidée. Il y a une sacrée superficie. Cet endroit est également listé sur Park4Nature. On a été rapidement accueillis. On nous a offert à manger, on a également participé, normal quoi. On n'a pas trop le choix d'être zadiste. Il y a surtout des gens de Besançon. Certains ont même un appartement à Besançon, mais ils ont décidé de tout arrêter, quoi, de quitter le confort pour vivre ici, certes un peu à la dure, avec un esprit de groupe, une qualité de vie. Sinon, il y a des nomades, beaucoup de nomades qui passent. Dont moi, je pars, je suis à la ZAD du Carnet la semaine dernière, une nouvelle ZAD qui s'est créée en Loire-Atlantique. C'est pas le même combat, mais le combat là-bas écologiquement est plus au niveau national. C'est un port maritime, donc c'est encore plus de cargo, encore plus de pollution. Et la Loire qui est déjà surpolluée. Voilà, on parle d'un nouveau monde et on continue de bâtir des structures pour un monde qui part vers son implosion en fait. On sait très bien qu'il y a une rame de tram qu'ils ont construite un peu exprès. Et du coup, il y a une pression aussi de la zone commerciale Chalzel. Ils ont déjà investi 2 millions d'euros sur le chantier ici. Et ils ont commencé à construire une route. Les périphéries des villes doivent être investies de permaculture, de zones maraîchères, plutôt que de bâtiments. Surtout qu'il y a plein de bâtiments insalubres à rénover partout. Et on continue encore plus dans l'opulence, avec un greenwashing quand même conséquent. Aujourd'hui, on bâtit des logements, on bétonne, on crée des soubassements, on détruit des espèces, puis on fait un toit végétal, puis ça s'appelle un éco-quartier. Pour moi, c'est pas ça l'écologie. Même le plus gros climato-sceptique sait très bien qu'il ne pourra pas prendre infiniment dans son espace fini. Et nous, ce qu'on veut, c'est un peu de logique dans nos investissements publics. Ici, en plus, il faut savoir que c'est une zone humide, ils vont vouloir créer des parkings, mais vous imaginez pas le boulot que c'est pour le drainage, l'eau, pour éviter que les parkings soient après inondés. Ça, c'est un boulot monstre, énormément de matières premières. C'est un chantier qui va sûrement avoir une grosse plus-value à la fin, donc une plus-value qui va se répercuter aussi sur les impôts locaux. Il faut l'annuler, ce projet. Il n'est pas viable, comme tous les projets de logement aujourd'hui en périphérie des villes. Voilà, il faut rénover les villes, rénover les bâtiments, il faut créer des structures en périphérie pour relancer l'artisanat, l'entrepreneuriat, relancer l'agriculture raisonnée, en tout cas la permaculture plutôt. C'est comme ça qu'on s'en sortira. On vient de refaire un tour à travers ces petits jardins. C'est vraiment super beau. Ici, chaque famille ou groupe d'amis qui se sont fait leur espace vert, ils ont leur petit coin de paradis. Je peux absolument comprendre
que c'est beaucoup trop dommage de simplement tout raser. On fait des chantiers participatifs, on fait des ateliers aussi, des ateliers pour fabriquer des bombes à graines avec de l'argile, tout ça, enfin des graines dedans, et tu te balades je sais pas où, tu vois un petit coin de verre, tu balances ta bombe, et ça, en tombant elle s'ouvre et puis ça fait pousser des trucs, enfin des petites plantes. On peut avoir des petits ateliers pour les enfants ici, parce que du coup on s'intéresse un peu à tout le monde, c'est pas que les adultes ou les grands. Si on arrive à construire un contre-projet à ce projet qui est de la bétonisation, pourquoi pas une école permaculture, des zones maraîchères, garder des terres un peu sauvages, en friche. Puis tout le monde est le bienvenu pour créer son projet, pour venir habiter ici. Tant que c'est dans l'éthique, quoi, en harmonie avec la nature. Donner de son temps, de son amour, pour une cause en fait, qu'on parle juste de coup de main. On veut transformer des milliards d'euros en milliards de mains tendues en fait. C'est, faut y voir pour y croire, il faut venir. C'est bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est bon. Tu veux un potimouche? Il suffit de venir en camion, il y a de la place pour se garer, en tente, on a des cabanes, on a des dortoirs pour les invités. Après c'est possible aussi de prendre dans les 30 hectares de la ZAD en fait, de se construire sa petite cabane, quoi. Venir manger le soir, tous ensemble. C'est important de venir, d'aller voir toutes ces ZAD partout. Il y a trop d'a priori. Vu qu'on est la seule barrière entre l'homme et la nature, c'est sûr que certains voudraient que cette barrière cède. On essaye un peu d'étouffer tout ça dans les médias, de pas trop parler de la ZAD, on préfère parler d'autre chose, hein, souvent des sujets plus ou moins loufoques. Faut faire tourner le mot, faut venir, faut faire du bouche à oreille. Nous avons nous-mêmes participé un peu. Là-bas, au fond, ils construisent une sorte de scène avec très prochainement un événement, j'imagine. Aujourd'hui, ils fêtent également leurs 3 mois. Tous les week-ends, on a des petits concerts aussi. Donc c'est des artistes libres, ils peuvent venir jouer quand ils veulent. Des petits concerts comme ça, c'est sympathique. D'ailleurs, on a un gros concert qui arrive le 25 septembre pour les 3 mois. C'est un très bon artiste. Du rap, un peu variété française engagée. Il y a toutes les nationalités, on se sent bien ici. Bon, on est une communauté, du coup, il y a 2-3 chamailleries, enfin, c'est normal vu qu'on est H24 ensemble. Une fois qu'on arrive là, on n'a plus envie de repartir. Moi, je pense que c'est un peu comme dans toutes les autres zones. Il faut évidemment toujours veiller à ce qu'il y ait assez de nourriture, d'eau, que ce soit propre. Pour l'énergie, ils ont des panneaux solaires. Toi, t'as les batteries, 12-201. C'est tout. Ici, on prend nos décisions horizontalement, personne ne marche sur les bottes de personne. C'est plutôt sain comme fonctionnement. Après, je doute que ce fonctionnement horizontal puisse marcher à échelle nationale. En tout cas, par communauté, ça marche, quoi. Et du feu de Dieu, quoi. Tous les étudiants de Sciences Po qui veulent s'investir dans la vie politique, hein. C'est important, la politique, c'est ce qui régit un peu tout. Si on veut pouvoir créer quelque chose de nouveau, il faut politiser le mouvement, et notamment la jeunesse qui doit reprendre un peu le flambeau. Par nous-mêmes, et bon, voilà, ça ressemble à ce que ça ressemble. On a plein de choses à apprendre de nos anciens. On n'est plus en harmonie avec notre cœur, notre être. On se retrouve à être conditionné dans un système qui nous dessert en fait. C'est pas en voulant détruire le système qui. Si on détruit le système demain, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Non, il faut créer une concurrence. Bien sûr qu'on est encore dans le système, hein. On essaie de minimiser un peu tout, quoi. Aujourd'hui, on le ressent, c'est des choses palpables, l'effondrement est palpable. On remarque que, ouais, y a moins d'insectes. Moi, quand j'étais petit en scooter, je me prenais des insectes plein la visière. Maintenant, en voiture, on peut faire des kilomètres sans prendre d'insectes. C'est quelque chose qu'on voit, la température. Aujourd'hui, on est le 17 septembre, bah, il fait 30 degrés, quoi. Bon, on espère que les gens comprennent notre engagement, que nous, on essaie déjà de se changer soi-même avant de vouloir faire changer le monde, créer ici un lieu. Et c'est pour ça qu'on est là, pour défendre notre terre et proposer des projets concrets à nos politiques. Plutôt que de dire ouais, on veut pas ça, bah nous, voilà ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut que l'opinion publique s'en mêle et on espère soit d'accord avec notre vision qui est, voilà, l'autonomie alimentaire, un exode des zones urbaines pour investir un peu plus nos campagnes avec des cultures raisonnées plutôt que des monocultures qui détruisent notre environnement. Bah, on n'en veut pas de cet effondrement. Si on est de plus en plus à se dire oui, bah, on fait de la permaculture, on fait de la nourriture, bah, l'offre elle sera de plus en plus grande, donc automatiquement les prix baisseront et puis voilà, on pourra de nouveau consommer un peu local. Mais aujourd'hui, si toute la France décide de consommer local, bah, je doute qu'il y ait assez de provisions.
aujourd'hui, on vit sous perfusion de l'hypermondialisme. C'est-à-dire que la France, c'est limite une coquille vide maintenant. On est dépendant clairement. Tant qu'on construira des ports maritimes, etc., pour faciliter le libre-échange, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Et c'est pour ça qu'on est en ZAD et pour avertir le monde qu'il y a une nécessité de changement et il ne suffit pas d'aller manifester et gueuler, quoi. Aujourd'hui, il faut se retrousser les manches, travailler la terre. La nécessité aussi de garder ces zones, quoi. Dire, il faut créer des zones maraîchères en périphérie de ville. Mais on en vient même à en détruire, là. C'est carrément l'envers du décor, quoi. C'est... Voilà, j'ai pas fait l'ENA, tout ça. Apparemment, il paraît qu'il y en a qui sont mieux placés pour le savoir. Nous, on est sur le terrain, c'est des choses qu'on voit. Besançon, une ville verte, bah ils ont mis des hôtels à insectes partout et tout, c'est génial. Mais il n'y a pas d'insectes, quoi. Donc, sur 10 mètres carrés de pelouse, et autour que du goudron. Et un Lidl à côté, et un boulevard. Et là, j'ai dit, bah ouais, ok, pourquoi pas, déjà vouloir recréer peut-être une biodiversité avant de créer un hôtel. Hein. Parce que moi, demain, tu me donnes une maison au cœur du désert, même si elle est jolie, la maison, bah, j'irai pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe. Hein. C'est du greenwashing complet. L'écologie, c'est retravailler la terre, qu'il y ait des jardins partout. Ici, il y a des HLM à côté, c'est une zone quartier populaire. Il y en a plein qui ont leur jardin juste derrière moi. Il y a des tritons, plus de 32 espèces protégées. Tout ça est condamné si... les travaux commencent. Nous, on pioche la terre ici. Il y a des fossiles par centaines. On peut venir les voir, on va les exposer sur la ZAD, quoi, au cœur de la vigie. Il y a des experts qui doivent venir, des géologues, etc., pour empêcher le chantier. Donc, c'est un gros espoir qu'on a par rapport à ces scientifiques. Donc, on espère que le verdict sera positif pour qu'on puisse enfin quitter ce lieu, quoi. C'est notre planète, toutes ces prévisions climatiques nous montrent qu'on part vers un effondrement, une extinction de masse. Pour moi, la seule prévention qu'on doit faire, c'est retour à la Terre. Quitter ces zones urbaines. En France, 80% de population vit dans les zones urbaines. Il n'y a pas de pays sans paysans, il n'y a pas de pays sans artisans. Bah, vigie vient de la vigilance, donc celui qui est au sommet de la tour durant la nuit a la responsabilité du camp. Donc, que ce soit pour empêcher des intrusions nocturnes, veiller à ce que la police ne nous déloge pas. Il y a tout le temps quelqu'un au sommet. Cette tour est pour moi comme un symbole. C'est plus efficace d'avoir cette tour plutôt que des barricades. Déjà, c'est moins effrayant. Bah, si on vient pour nous déloger, et bah, c'est un moyen de défense aussi. La tour a été montée en moins de 2-3 heures. Quand la police était arrivée, la tour était déjà là. La mairesse, elle est d'Europe Écologie Les Verts. Peut-être elle a une partie d'elle qui est pour nous. On l'invite aussi à venir, hein. Ce serait cool de discuter avec elle, pouvoir débattre. Hein. Il y a une agora, on a créé une agora et exprès, j'ai envie de dire. La meilleure place. J'espère que la mairesse de Besançon comprendra que l'autonomie alimentaire est bien plus importante que 1500 logements, quoi. Comme dans toutes les villes de France, il y a des endroits, c'est vide, des vieux bâtiments qui ne demandent qu'à être rénovés. Et on réinvestit les lieux, quoi, plutôt que de recréer des nouvelles structures. Moi, ce qui m'embête, enfin, disons que j'ai pas suivi l'histoire du projet. On est arrivé il y a 2 ans. Et de ce que je comprenais aujourd'hui, le projet est suspendu. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue. Je comprends plus l'intérêt de la ZAD et j'ai ce sentiment que ça dessert la cause parce que c'est temps. Ça génère aussi d'autres nuisances avec d'autres baraquements qui se montent dans une zone qui était jolie. Voilà, je sais pas. J'aime pas trop la notion de désobéissance civile. C'est un peu dommage, quoi. Après, il n'y a pas de problème avec la ZAD en soi, il n'y a pas eu de nuisance par rapport à ce qu'ils font. Ils font des choses jolies, beaucoup de choses se construisent. Mais après, comment ça va évoluer? Parce qu'à un moment, les pouvoirs publics vont vouloir que ça s'arrête. Donc je ne sais pas, je suis un peu embêté. Beaucoup de voisins sont très conciliants. Ils nous emmènent des vivres. De temps en temps, une dame vient leur préparer des plats culinaires. Surtout un grand merci à tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui sont déjà venus, tous ceux qui vont venir. Tous les locaux de Besançon aussi, qui nous soutiennent, qui nous ramènent de la nourriture, font partie aussi de cette ZAD, quoi. On a besoin de tout le monde là-dedans, et notamment vous. Et puis bon, voilà, si on se fait déloger, on se fait déloger. On réinvestira les lieux, on ira dans d'autres luttes, mais il ne faut pas perdre espoir.